Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Warhammer Conquest avec la faction du chaos. Donc dans l'épisode précédent, je me suis fait encore démonter la figure parce que j'ai eu la mauvaise idée d'aller défendre l'une des cités du chaos qui se faisait assiéger, donc j'ai perdu toute ma troupe. Comme je l'avais dit, j'ai un peu joué hors caméra pour me refaire des troupes. Je suis allé à gauche à droite pour aller encore recruter. Donc là, je dois avoir une vingtaine d'hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu récupérer des hommes, des soldats d'élite. Donc j'ai quelques guerriers du chaos, des cavaliers, parce que j'ai participé à une baston contre une armée bretonienne. Ils avaient plein de prisonniers du chaos et j'ai pu en récupérer certains. Et ça, c'est assez cool. J'ai pas fait de prisonniers de compte malheureusement, mais j'ai pu. En fait, j'ai pu rebooster ma rebooster ma troupe. C'était une petite armée de bretonniennes qui s'était fait, qui restait plus grand chose. Et moi, je suis arrivé comme une fleur derrière. J'ai fait tiens, je vais participer au combat et hop et j'ai pu récupérer des guerriers. Donc c'est assez cool. Je vais pouvoir continuer ça. Ici, il faut que je me rachète du. Donc j'ai fait encore certaines quêtes où j'ai pu gagner du masse de pognon. Faut que j'aille récolter. Toujours pas fait, récolter la. Récolter la. Les deniers là. Et j'hésitais à m'acheter une épée en fait. Et je pense que je vais m'acheter une grosse épée. Et j'aime bien celle-là, l'épée de corne. Elle est pas mal. C'est une épée à deux mains. Et j'aimerais bien la prendre à la place de ma hache. Alors c'est sûr que ça va me coûter blinde. La petite hache à une main, je vais la garder. Et je vais peut-être me prendre... peut-être se prendre ça. Par contre, le bouclier est toujours rien. J'aimerais avoir un vrai bouclier du chaos, quoi. On va prendre ça, allez hop, c'est toujours mieux que rien. Oula, 6666. Ça c'est très fort ça. Ça tend. Coûte cher. Faut que je regarde où j'en suis. Ouais, je vais garder ça. Ouais, j'ai fait une mission. J'ai encore attaqué des bandits autour de la ville. J'ai gagné 500 pièces d'or. J'ai fait quoi d'autre comme mission? Je suis encore allé chercher déposer une lettre. Il y avait une mission. C'était... Ah, je me rappelle plus ce que c'était. Ah mince, oh, je m'en souviens même plus. Il y avait une troisième mission, mais je me rappelle même plus ce que c'était. Voilà, j'ai 28 hommes. Et j'ai, ah oui, j'ai aussi recruté des mercenaires. Donc il y avait des hommes bêtes qui attendaient dans la taverne. Je les ai recrutés. Parce qu'ils coûtaient pas très cher. Je crois qu'ils coûtaient 100 ou 400 pièces d'or. Merde, j'avais... Ah, le gobelin, il est là. Je sais pas ce que c'est, un héros, ça? Ah, d'accord. Ah, c'est un héros. 2000 pièces d'or. Oui, bien sûr. Faudra que je recrute d'autres héros, hein, parce que... Ah, l'épée, elle est classe. Ah, voilà, ça, c'est une vraie épée du chaos, quoi. Yeah! Et la hache. Allez. Elle est pas mal la hache. Faudra que je me chope une armure digne de ce nom, un de ces quatre, mais y a rien quoi. Il y a rien de chez rien. Alors qu'est-ce que tu as à me donner encore toi? Tlats. Ah non, Tlats, ça c'est un nom. Tlats, c'est un nom pour les hommes lézards. Bon, sinon j'espère que vous allez tous bien. Donc oui, je sais, des fail. Mais on va y arriver à cette série. Je vous le promets. Alors, je devais attaquer les nains. La mission, j'ai pas pu la réussir. S'occuper des pilleurs, bah, je les trouve. Alors, pour les trouver, maintenant, c'est mort. Ah oui, mauvaise nouvelle, c'est que le mont Vanir est tombé aux mains des Bretonniens. Ils sont 80 là-dedans. Et ça devient très très hard. Donc, comme je l'avais dit, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver un château isolé. En fait, il faut que je me fasse une grosse troupe. Donc, je peux avoir 74 hommes. Vu que j'ai encore monté le level, et il faut que je me trouve une troupe, un château totalement isolé, et aller me faire mon petit fief. C'est dommage que Albion, il n'y a rien dessus.
Ouais, bon, alors pour l'instant, le truc que je devais faire, c'était ça. Et collecter les impôts, là. On m'avait demandé de le faire, faut que je le fasse. J'espère que ça va me rapporter encore de l'argent. Hop, on va coller, ça va prendre 2 jours. Commencer la collecte. Non, 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 mon dieu. Oh, putain. Oui, on se casse. On se casse. Oui, mais je... Oh, punaise. Non, non, on est plus rapide que toi. Salut. Ah, putain, puis j'ai... Ah, bon, c'est bon, je peux encore aller collecter les taxes. Je pensais que c'était moi qui fuyais, mais en fait, pas du tout. Hop. On va attendre. Ah oui, je suis encore... Je suis aussi blessé, donc... Oh, j'ai eu chaud. Heureusement qu'il m'a pas attaqué direct. Ouais, il a envie de piller ça. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite, hein. Je sais pas combien j'ai collecté. Ah, il est enfoiré, quoi. Donc, ouais, j'ai réussi à choper un guerrier de corne, 2 guerriers universels, un champion, je veux dire, deux champions universels. Non, non. J'en avais un, j'avais 2 guerriers de carnot universel, mais j'en ai eu cravé un en champion. Et après, bah, j'en ai eu... Il y en a pas mal que j'ai récupéré et d'autres que j'ai recruté. Donc les hommes bêtes, c'est pareil, c'est les mercenaires que j'ai pris. Oui, il y a 7 trolls là. Bien sûr. Ça devient compliqué, hein. On va recruter du monde. Ah, c'est vrai que j'ai oublié le nom de mes bottes. Faut que je fasse gaffe ici. Hein. T'as un fichier, je devais les... C'est chiant, quoi. Ouah. Il y a quoi ici? Ils sont en confiance, hein. Capitaine, chevalier, joueur d'épée. Oh, punaise. Je crois que je suis plus rapide qu'eux, là. Ah, ils sont chiants. Pas prendre de risque, on va aller dans le château. Vite. Putain, bah, on va aller dans la salle, la grande salle. Vous avez pas vu les femmes du chaos, comment, à quoi elles ressemblent? Voilà, elles ressemblent à ça. Ça fait très sadomaso quand même. Hein. Mais c'est super moche. C'est qui elle? Ouais, elles sont tous les femmes de trucs milou chouette. Et toi t'es qui? Ok. Je préférais quand elles avaient des robes, parce que là, c'est tout carré, c'est super moche. Bon, on va attendre que l'autre se barre. Ok, c'est cassé, c'est bon. Juste... Non. Ça fait pas très château du chaos, là, hein, quand même. Elle est classe, là. La hache. J'aimerais bien la tester, là. On peut pas se trouver des petits bandits. Ça serait drôle. Putain, mon Valnir qui est tombé, c'est mauvais signe, quoi. C'est vraiment, vraiment mauvais signe, quoi. Oh non. Le château de Alkid est assiégé. Oh, c'est vraiment abusé, hein. Ouais, ouais, je sais, merci. D'accord. Ah non, ça c'est trop risqué, ces trucs de... Ah, c'est pas possible ça.
Allez, on va aller voir ce qui se passe. Ah. Comte Joachim. Il est où le comte Joachim? Ils ont 361 prisonniers. Vous imaginez, vous? Ils sont combien là-dedans? C'est vraiment cheaté. Hein. Ah, il est venu aider. 723. 361 prisonniers, quoi. C'est Gozo. Une caravane d'armée? Ok. T'entends, hein? Imaginez qu'on défonce cette armée, on a tous les prisonniers qu'on libère. C'est vraiment tentant. Hein. Mais bon... Eux, s'ils libèrent... Voilà, tout ce qu'il y a comme prisonnier, des trolls. Pirates zombies, d'accord. Des trousseurs épéistes, human bretonien. C'est tous ceux qui sont dans la prison de du château, ça. Eh, tu veux pas venir les aider, toi? Joachim. Nous devons nous préparer à défendre le château. Château Alkid. Mais il est où le... Ah, il veut repousser l'attaque, d'accord. Mais personne va les aider, non? C'est trop demandé. Alors attends. J'ai besoin de toi. Où est... étant en compagnie, il devrait être près de Calais Wanwick en ce moment. Calais Wanwick. Ok, c'est où Calais Wanwick? C'est où ça, Calais Wanwick? Ah, c'est ici. Ok. Il veut aller reprendre le château. Ouais, toi t'étais blessé. Je vais aller voir notre maréchal. Ah ah. Bon allez, on va aller se faire les trucs. Attaquer l'ennemi, on va attaquer ces villageois. Ces villes villageois. Ouh, j'adore cette épée. Oh mon dieu. Ça va faire mal. À la soif de sang. Fait du bien. Meurs, mécréante. Des crânes pour le trône de crâne. Enfin, voilà,
ces trucs là, on va prendre ça, ça rapporte rien du tout, c'est comme argent ce truc là. Alors, je voulais demander où se trouve... notre maréchal. Oh non, s'il dit qu'il sait pas où il est, c'est-à-dire qu'il a été capturé. Ça c'est sûr et certain, il a été capturé. Super. On avait bien besoin de ça. Bon. Bon, bon, bon. Bon, bah on va retourner au château. Voir comment ça se passe. Ah, ils ont peur de nous. On va se les choper. Je crois que le... Ouais, c'est parce que faut que j'améliore mes troupes en fait, c'est ça le truc. Attendez, attendez, attendez. On ne s'excite pas. Oh, les classes épées quoi. Une belle épée du chaos. On va tester la hache aussi. Ah. Ouf. Oh, le chien. Ouh, a fait mal. Ah, attendez, excusez-moi. On va recharger. Oh là 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 là, elle fait mal cette hache. Tellement mal qu'elle m'a surpris moi-même quoi. Laissez-le tranquille. Ouf. Oh, oui, j'adore, je suis mort. Je suis pas mort, etc. Voilà, meurs. Chopez-le les mecs, chopez-le. Ouais, ça enfuit. Oh là là. Bon. Ah, on a eu des prisonniers. D'accord. Donc vous... Hop, vous allez comme ça. Un maraudeur vétéran. Hop. Alors, champion maraudeur... Maraudeur berserker. Voilà. Épée de pirate. Ah, il y a de la bouffe, ça c'est cool. Ouais, ça c'est la merde. 249 pièces d'or. Bien. C'est ça, fuis. Alors on en est où ici? Putain, mais ils sont quand même en train de morfler. Hein. Ah mais ils sont plus que 9. Ouais, bon. Ouais. La cité va tomber, le château va tomber. C'est Alkid. Bon, bah... Eh merde. Oula, 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 on se barre, on se barre, on se barre. Oh punaise, ils sont plus rapides que moi là ou quoi? Oui, bah merci, je suis au courant. Bon. Le maître sorcier de l'Empire a été vaincu, mais parvenu à s'enfuir. Bon, bah c'est mal barré pour le roi, le chaos. Ce truc que je vais pouvoir faire, c'est me trouver des nouvelles troupes. Et où Orchéon en fait toutes les villes ont été pillées. Ah mais il est là. Il a que 15 soldats le pauvre. Et on dit que prêter allégeance au chaos. Ouais.
Trois albardiers impériaux. Ouais, non, mais c'est mort, je peux pas me mesurer au. Hop, viens là toi, viens là, viens là, viens là. Six chefs maraudeurs et me les amener sur la suffit à pour maman. Il me demande des soldats alors que j'en ai cruellement besoin. Je vais aller en ville. On va aller vendre tout ça. C'est mal barré pour nous. On va aller vendre toutes ces merdes. Voilà. On va vendre les chevaux. Et l'armurier. Ça on garde. D'ailleurs. Ah, ça va. Rencontrer le maître de guilde. Ouais, je sais, mais Tlats, c'est les hommes lézards, quoi. Ils sont malades, quoi. Je suis pas suicidaire non plus. Bon, bah, je sais pas quoi faire pour l'instant, là. Je peux pas collecter, ils sont en feu, et eux, je les trouve pas du tout. Je sais pas où ils sont passés, en fait. Et c'est chiant, ça commence à devenir chiant, là. Relâché. Je crois qu'ils sont tous bretonniens là. De toute façon, je peux même pas les recruter. Allez, venez là. Allez. On va se faire les villageois. Hein. Donc on peut... ça fait monter d'expérience mes hommes, même si c'est très peu. C'est toujours ça de prix. Du sang pour le dieu du sang. Et les démons, je sais pas comment les avoir. Si vous savez, vous, me dites... n'hésitez pas à me dire parce que... je vois pas comment avoir les démons. C'est... il faut les engager en fait, c'est des mercenaires qu'il faut engager, mais... bon bah ça a été rapide hein. Au moins on a des prisonniers. Chasseur, ok. Bon c'est déjà ça. Ah du poulet, cool. Et ces trucs là, ces oripeaux. Mais de toute façon ça apporte rien ça quand je les vends. Bon allez par principe on va prendre tous ces trucs. Voilà. Et hop. Oui il s'est fait démonter la face lui. Oh la vache, y a rien. J'espère qu'ils sont en train d'assiéger une nouvelle ville, non? Ils ont deux châteaux et deux grandes villes. C'est la fête. Et j'ai plus de villes pour recruter des maraudeurs. C'est super. Vas-y, chope-les, Alfred. Sauf-les, on se les fait. Ah merde, c'est des membres de tribus chaotiques. Oh, je m'en fous, en fait. Vas-y, fais-les toi si tu veux. Il y a combien de personnes ici? Personnel. Ils sont 43. Je pourrais me les faire. Le souci, c'est que il faudra que je mette des troupes dedans. Et bah,
final, je me retrouverai plus avec, j'aurais plus d'armée moi-même, et non, et il y aura trop peu d'hommes pour garder le château. Faudrait que j'aille ouais, 75 hommes. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont 52 contre 87. Est-ce que je vais les aider? Ça me tente bien, moi. Ça me fait du... Ça fait du 81 contre 87. Oh, c'est faisable, hein. Allez hop, on va l'aider. Tant pis si je perds la bataille. C'est un prix à payer. Prends des risques. Hop 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 hop. Mes soldats là, vous restez avec moi. Tout mon mobile. Ah d'accord. Ah non, je me disais aussi. Ils sont juste là. J'ai même pas vu. Putain, chevalier bretonnier en plus. Charger. Mince. Ouh là, il est quand même... Les chevaliers du KO font quand même mal. Les guerriers Yukio font très très mal. Viens goûter mon épée toi. Ouf, ça fait mal ça. Ouh, ouh, punaise, vous avez pas vu venir. Oh l'enfoiré. Ça meurt. On est où là? Et là toi. Voilà. Je sais pas combien il y a eu de blessés ou de morts de l'autre côté. Oui, il y a encore du monde là. Putain, ils ont des trolls avec eux. J'ai perdu tous mes hommes dans l'histoire. Oh punaise. Oh, je vais même pas voir le nombre de pertes que j'ai eu. J'ai eu 7 morts et 4 blessés. Bon. Mon allié en a eu 15 morts et ils ont eu 58 morts et 5 blessés. Oh. On est 47 contre 14. Ouh, ça se passe plus. Ça se passe mieux que je le pensais. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que moi j'ai plus d'énergie. Heureusement que j'ai mes chevaliers du chaos avec moi. Ils sont très résistants. Ça, c'est notre petite vengeance personnelle, le seigneur bretonien. On a eu tout leur chevalier, ça c'est cool. Par contre, ils avaient des trolls, quoi. Ils avaient libéré des trolls.
On est chargé. Oh, je one shot. Ah, chaté. Lui. Voilà. Vengeance pour tous nos frères morts. En fait, les bretonniers, c'est les chevaliers qui sont extrêmement forts. Chopez-le, les mecs. Et voilà. C'est parfait. J'ai eu 3 morts. Putain, les 3 berserkers sont morts, quoi. Et merci de rien. Ah, cool, un prisonnier. L'autre s'est évadé. Oh, il y avait 3 armées, en fait. Un deuxième duc prisonnier. Ah. Alors déjà, oh, lui va avoir très cher. Lui aussi va avoir très cher. Lui aussi. Après, ça, on s'en fout. Alors déjà, les hommes bêtes ont survécu, hein, Bestigor. Hop, guerrier de corne. Ah, ça c'est cool ça. Alors j'ai guerrier universel. En fait, les troupes que j'ai perdues vont être vite remplacées. J'ai un guerrier de corne, champion. Ok, maraudeur vétéran, ça c'est cool, un maraudeur, un champion maraudeur, chasseur monté, ok, j'ai un maraudeur, non j'ai quoi encore, un champion du chaos, universel, un chevalier du cœur universel, ok, hop, hop, et maraudeur berserker. Ah bah les 3 que j'ai perdu, je les regagne. 40. Ah c'est parfait. Hop. Bon, ça s'est avéré payant en fait. 565 pièces d'or. Je vais monter d'un level. 10 prisonniers que je vais vite revendre, il faut que je parte. Ouais, il faut que je reparte là. On se casse. Et je voulais montrer quoi? La force. Voilà, faut que je monte ça. Hop là. Allez, on va remonter à la seule ville qui nous reste, hein, de toute façon. J'ai eu chaud. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment eu chaud. Ah bah. Hop. Et lanceur de hache, j'en ai combien? Voilà, on va prendre des hommes à pied. Paiement de mercenaires du royaume du chaos. Je gagne 200, mais je perds 800, ok, moins 673 avec mes troupes. D'accord, c'est bon à savoir. C'est dommage que la petite dernière troupe de gobelins, je la trouve pas du tout. Ah, c'est quoi ça? Les trolls ont peur de moi maintenant? Ah, on inverse les rôles. T'es où? Oh, je vais pouvoir capturer plein de trolls maintenant et les vendre. Ça va poser du pognon. Mais déjà là, on va aller vendre tous ces prisonniers. Royaume Mikao était fait vaincu. Royaume Mikao était fait prisonnier. C'est chiant que je peux les mettre nulle part, mes prisonniers, moi. C'est vraiment dommage. Ah, c'est un nain du chaos, ça. J'ai besoin de mercenaires, monsieur. 5 de mes compagnons et moi, nous sommes à la recherche d'un maître. Nous joindrons pour 80. Oui, d'accord. Venez avec moi. Voilà des nains du chaos. Hé hé. Et ça,
ça c'est un Matsimi, ça doit être un personnage. Oh, je bats au. Mais il coûte trop cher les 300 pièces d'or. Non, oh, bah je vais le prendre, tiens. J'ai pas compris. Je crois qu'il est doué pour les soins en fait. Non. Putain, il n'y a pas le. Putain, il est nulle part. Lui. Allez hop. Bon, ça se passe plutôt bien. Mieux que je pensais. J'ai peut-être perdu toutes mes troupes, mais j'en ai récupéré plein. Comme quoi. Ok, ça y shot. Comme quoi, d'une partie à l'autre, jamais la même. Hein. Et là, faut que j'évalue mieux les risques. 161 pièces d'or. Ok, armurier. Prendre toutes ces brocs là. Hop, hop. 241. Qui au château? Je crois que c'est Archeron qui est ici, non? Ah non, c'est une nana. Bon, alors. Déjà, je vais voir un truc. Alors, on a pris des nains du chaos. Ils peuvent devenir vétérans nains du chaos. Et on a pris ce mec. On a embauché un orc. Bon, c'est pas un souci qu'un orc me rejoigne. Je vais voir tes compétences. Toi, ton équipement c'est quoi? Un gourdin. Ouais, bon. Faut que je trouve du matos pour orc parce que bien sûr il pourra pas porter plein de trucs. Tes compétences. T'es fort en quoi toi? Guérison chirurgie. Ah ça va être très bien pour guérir mes troupes. Donc il est spécialisé là-dedans. Premier soin, guérison, d'accord, maître d'armes. Bien, j'ai un médecin. Un médecin orc. C'est la première fois que je vois ça, mais bon c'est pas grave. Par contre j'aimerais bien trouver un rançonneur mais ça va être compliqué maintenant, faut que j'attende qu'il arrive dans la ville. J'ai décidé de donner le titre de maréchal au seigneur Starkova. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait demi-tour hein? Ok. Des trolls. Voyons voir ce qui se passe dans le monde. Alors, bon, il y a un qui a changé par ici. Karak Irn a été repris par les gobelins. D'accord. Il y a... Brion est toujours en main des Skyvens. Ok, Martek qui était au pirate, qui a été pris aux âmes, par les âmes lézards. Ok. Ouais, pas trop de choses qui changent. Là, ça serait bien pour faire une... Son fief, mais un peu loin quand même. En plus, je pense que c'est ouais, ça doit être Nekara qui est en train d'assiéger... Ah bah là, en fait, les Nekara sont en train d'assiéger les pirates. Ok, bon, c'est cool. Ah oui, 2600 pièces d'or, voilà comment je fais de l'argent. C'est parfait. Putain, par contre tout a été pillé et ça c'est bien chiant. Hein. Attendez monseigneur, venez. Putain, j'ai une plus grosse armée que Archeron quoi. Ah, 6 épées c'est impériaux, ça va. C'est un peu fort pour moi là. Ah, par contre ce que je peux faire, c'est maintenant. Je pense que les orques et les trolls ont peur de moi maintenant. Ouais d'accord. Waouh. Oh, il y a du people là.
je pourrais faire, c'est d'aller... Merde, les trolls n'ont pas peur de moi. Ah si, ils ont peur de moi maintenant. Viens là, toi. Je vais voir si je peux me les faire. On va voir. On va voir. Normalement. Normalement, on peut se les faire. J'ai confiance. Sont où les nanas du chaos là? Elles sont là. C'est dommage, ils n'ont pas mis d'armes de siège. Apparemment, il n'y a pas les canons dans le genre parce que ça, les nains du chaos, ils sont réputés pour leur canon démoniaque. Ils auraient été très très forts. Bon, ils vont faire mal par contre. Mais... Je peux pas avoir une épée tueuse de troll. Oh, j'en ai tué un. Hop, en moins. Ils assomment, hein. Ouf, oui, ils se sont fait le deuxième. Par contre, j'ai des morts. J'ai des morts. Oui, on les a eus. Il y a des bugs avec les trolls. Alors, j'ai combien eu, quoi? J'ai eu quoi? J'ai eu que des blessés, ça va. Ah, les trolls sont morts. Bon. Bon, on va prendre ces jambes-là. Par contre, ça fait de... Hop, on va prendre ça. Ça, ouais, le villageois, je peux rien en faire, malheureusement. Ça entraîne bien mes hommes, ça, par contre. 466 pièces d'or, ça paye, hein. Ah, ça va, lâchez-moi. C'est marrant, il me fuit et des fois il me pourchasse, quoi. C'est super bizarre. Bon, de toute façon, on va se laisser ici. Je sais pas combien j'en suis de l'épisode, mais on va se laisser là. Oui, s'occuper des pierres, merci, je suis au courant. Et ça, il me reste combien de temps? 24 jours. Bon, bah, il faut que j'attende qu'il soit pupillé, le village. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon numéro code. Merci, j'apprécie votre soutien. Ah, d'accord, il a dû... Ouais, je crois qu'il disait un truc. Ouais, j'aime bien la façon dont vous faites. Ouais, bizarre. Donc bah, on va se retrouver pour un épisode suivant. Et bon bah, là je vais pas fuyons vite. Tant pis. On va se les faire et après on va se laisser là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Alors, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, hein, je lis tous vos commentaires. J'ai dit suivez-moi. Tous vos commentaires. Donc oui, je vais prêter allégeance à Arcan, même si, vu tout ce qu'on a perdu, je pense pas que ça va être utile. Je vais aussi... Enfin, faut que j'agrandisse encore mes troupes et je les améliore pour pouvoir aller ensuite essayer de capturer un fief isolé. Allez, chargez. Ah, il y en a un qui a été tué déjà. Non, il y en a un deuxième qui a été tué. Oula, ils sont forts. Ça va, ils démerdent plus que je le pensais. Ouais, bien. J'ai des blessés, comme d'habitude. On a capturé un troll. Ouais, on a capturé un troll. Ça a coûté du pognon, ça. Allez, vous, je sens comme ceci. Guerrier des cornes. J'ai 6 guerriers de cornes. Ça, c'est la classe. 3 bestigors. Un chasseur maraudeur. Un chevalier de cornes en plus. Ça, c'est bon. Et du porc. Oui, 620 pièces d'or. Et on va se laisser là. Donc, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.